Salut les critiques, aujourd'hui je vais vous parler d'une superbe BD qui est aussi entre Moyen Âge et façon de d'aborder l'escrime, on va dire. Il s'agit du Maître d'armes de Xavier Dorisson et Joël Parnot. Joël Parnot que nous recevons en dédicace vendredi. Alors malheureusement les places sont déjà toutes prises, mais si vous voulez venir voir comment ça se passe, une dédicace, tout ça, vous êtes les bienvenus. Et en tout cas, on vous conseille très fortement la découverte du Maître d'armes. Donc, une bande dessinée qui va nous voir suivre le parcours de ce personnage qui était le maître d'armes du roi de France. Mais il est vieillissant et il croit encore aux valeurs de la chevalerie et surtout à l'épée des chevaliers qui est un peu lourde, peu maniable. Et bah, on a un nouveau venu qui arrive avec de nouvelles méthodes, avec une nouvelle technologie, la rapière, qui est maniable à une main, qui est rapide, qui est fluide, qui s'apprend très rapidement, et du coup qui fait fureur à la cour du roi de France. Le roi de France se sépare de son ancien maître d'armes, et ça va être toute la descente aux enfers de notre héros qui, un jour, je vous laisse découvrir quand même, va essayer de faire valoir son code de la chevalerie et ses valeurs. Il n'y a pas que la rapière, il n'y a pas que la rapidité, il n'y a pas que la jeunesse, il y a aussi, on va dire, la sagesse, d'autres choses qui rentrent en compte. Donc on vous conseille très très fortement le maître d'armes de Xavier Dorisson et Joël Parnot. Et je vous rappelle la dédicace de vendredi. À bientôt les critiques.